Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre, et oui, un livre de coloriage que j'ai trouvé sur Amazon bien sûr, que je n'avais pas vu encore sur, je ne l'ai pas trouvé sur les vidéos avant, je l'ai vu après sur les vidéos. Bon, vous allez dire c'est pas tout à fait mon style, mais j'ai déjà un ou deux livres qui commencent à avoir un peu ce style, mais j'aime bien. Voilà. Alors, c'est le Garden of Joy de Sabine Design. Voilà, celui-ci. Il est tout mignon. Alors, c'est bon. C'est pas du, c'est du papier Amazon comme on dit souvent hein, quand c'est pas du, du gros papier, donc je vous, quand je vais vous conseiller quand vous allez dessiner sur ce genre de livre, c'est de prendre une feuille cartonnée et de la placer derrière votre coloriage pour ne pas abîmer le coloriage qui est en dessous, vous savez, pour pas que ça fasse des traces en dessous. Voilà. Alors, comme je n'ai pas encore colorié dedans, je ne peux pas vous dire si si par exemple l'aquarelle va traverser, enfin niveau de l'eau. Je pense pas que l'aquarelle soit bonne sur ce papier, parce que je sens qu'il est trop fin. Donc je ne tenterai pas l'aquarelle dessus. Les feutres, alors. Pas de feutre à alcool, bien sûr. Il ne vous faut que des feutres, parce que les feutres à alcool, ça traverse. Donc, moi, je commence à oublier complètement les feutres à alcool. Les feutres à alcool, maintenant, je ne les utilise que quand je fais de la carterie. Vraiment que pour ça. Pour les coloriages, je les utilise plus, je les utilise pas du tout. Utiliser peut-être les aquamarqueurs pour celles qui les ont, ceux d'action. Alors, avant de les essayer sur un coloriage, vous avez à la fin du livre une page toute blanche, et aussi au début du livre, vous avez une page entièrement blanche. Donc, je vous conseille de faire des essais sur ces deux pages. Avant de vous attaquer à votre coloriage, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc sinon, moi, ça va être du crayon. Je vais faire du crayon simplement sur ce livre. Peut-être du gel pen, un peu. Je verrai, hein, suivant les coloriages que je ferai. Mais ça va être que du crayon. Voilà. Donc, je vais vous montrer après les dessins qu'il y a dans ce livre. Ils sont très mignons. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, parce que j'ai déjà vu des livres que je vous ai montrés qui ne vous plaisaient pas, enfin qui n'étaient pas de votre style. Donc, je sais que celui-là ne peut pas plaire à certaines. Mais bon, va plaire à d'autres. Il y a combien de dessins? Par contre, je ne les ai pas comptés. Attendez, je vais vous lire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 24 dessins et ils ne sont qu'en en une seule fois, il n'y a pas de double. Voilà, donc pas de double du tout. Je vous remontre la couverture. Déjà, la couverture est toute mignonne avec ses tons pastels.
Allez, donc je vais vous laisser regarder en face bureau les dessins que je vous présente dans ce livre. Et nous, après, on se retrouve pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Et j'ai oublié ma phrase. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Si vous souhaitez retrouver le livre, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.